Quand un salarié est-il reconnu inapte à son poste Et n'hésite pas à poser ta question sur défendezdroit.fr. L'inaptitude se caractérise par la situation d'un salarié qui, en raison d'une maladie ou d'un accident, est dans l'incapacité de continuer à travailler à son poste. À savoir, dans cette situation, le salarié peut demander à voir le médecin du travail. Celui peut rendre un avis d'inaptitude. Et ce, après deux examens médicaux espacés de 15 jours. Même si celui-ci, et on l'a vu dans la jurisprudence, peut constater l'inaptitude après un seul examen médical. Pour donner son avis, le médecin va réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et ce conformément à l'article R 4224-31 du Code du travail. À savoir que si le médecin du travail constate que le maintien du salarié dans l'entreprise entraîne un danger immédiat pour lui ou un tiers, il émettra l'avis d'inaptitude. Bah, bref, si t'es resté jusque là, marque inaptitude au travail et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.